Merci à toute l'équipe d'avoir de bon sens d'avoir organisé, Nina, et toutes les personnes, la librairie Vincent également, qui ont permis l'organisation, la tenue de cet événement. C'est toujours quelque chose à faire au niveau logistique, d'accueillir du monde, de faire de la communication. Et donc la prise de parole qu'on va avoir à deux, elle n'est possible que par on va dire le déploiement de la volonté de chacun. Donc voilà, comme je reprends, donc Fabien Moine, professeur de naturopathie, et le but de l'initiative qu'on avait eue avec Louis sur cette conférence à deux, c'était de marier une approche, on va dire, allopathique de la santé, une approche plus complémentaire et en fait qui raconte beaucoup plus que le soin. Il y a évidemment le décortiquage qu'on a fait dans nos ouvrages, mais il y a une volonté de manifester les zones médianes qu'on peut trouver en étant d'origine diverse. C'est grâce à la crise qu'on a pu se rencontrer, créer pas mal de choses ensemble, des bouquins, mais également des conférences, des journées, des colloques. Un film qu'on a soutenu, enfin même deux films, Soignants suspendus et Tous résistants dans l'âme. Et ces projets sont nés d'une crise, d'une tension, d'une douleur collective et individuelle. Et le but de cette intervention, c'est de montrer qu'il y a du beau. Je commencerai juste à dire, avant de donner la parole à Louis, qu'il y a dans Agonie et renouveau du système de santé, qui est le thème de la conférence et le titre du livre de Louis, il y a agonie, mais il y a surtout renouveau. Et dans ce qu'on essaye de faire, c'est pas être simplement dans la triste colère. Là, j'étais très content. Il y a une personne qui est dans la salle qui s'appelle Isabelle, qui m'a dit quand j'ai trop de colère, je vous écoute toi et Louis et ça m'apaise. Et c'est un retour qu'on me fait beaucoup. Et c'est pour ça que j'essaye de le faire sur des sujets qui sont un peu pourris. C'est pas pour exacerber, on va dire, à chaud ce qui abrase un petit peu les humeurs de chacun. C'est d'essayer d'y trouver le sens et puis de trouver le calme dans la zone d'inconfort. J'aime beaucoup, par exemple, l'apnée. Je sais pas si on qui pratique l'apnée. Il y a un moment dans l'apnée où, en fait, on est pris de convulsions. On a des grosses contractions. Les poumons ont des spasmes parce qu'évidemment, pareil dans le larynx, et le corps ne demande qu'une chose, c'est à inspirer de l'air. Parce qu'il est en asphyxie. Louis connaît ça, évidemment, avec l'aréa par cœur. Et à un moment donné, dans l'acceptation de la tension, des spasmes musculaires, du système nerveux qui est tout en alerte, il y a une détente. Et l'apnée, moi je ne la pratique pas du tout de manière sportive, mais presque comme aller chercher une détente et un bien-être méditatif. Et donc la tentative, à travers le décortiquage analytique, est tout à fait subjectif de ce qu'on traverse, un peu dégueulasse et qui nous transperce de part en part. Ce n'est pas de stimuler la colère, la rancœur, l'aspect belliqueux en chacun. C'est au contraire de dire comment on peut le structurer, comment on peut le poser. Et à partir de cela, une fois qu'on a apaisé les émotions, comment on peut construire ensemble. Et que ça soit sur le système de santé ou un autre, là on prend un prisme de lecture qui est celui du soin. Mais évidemment, ça vient bien plus loin que ça. Et je laisse la parole à Louis. Merci Fabien. Bonjour à tous. Merci d'être là. C'est rare que je vienne à Paris et puis c'est de plus en plus douloureux de devenir à Paris et de voir comment elle se transforme progressivement. Et puis quand vous êtes là et qu'on est ensemble, finalement il se passe quelque chose. Il y a quelque chose qui est au-delà de notre prise de parole à Fabien ou à moi. C'est le fait d'être ensemble. Et pour moi, c'est ça le principal intérêt d'être ici. Peut-être que vous aurez entendu déjà un certain nombre de fois sur Internet ce que j'ai à dire. Et au fond, je suis content de servir de prétexte. Et il pourrait y avoir d'autres prétextes pour se réunir et célébrer quelque chose ensemble. Et ça, pour moi, c'est un élément très important à garder en tête dans le moment qui nous occupe, dans ces fractales et ce chaos, dans cette agonie et ce renouveau, dans ce moment où on a l'impression que nos structures institutionnelles à la fois se raidissent et vacillent, et où il y a quelque chose d'extrêmement ambigu, d'extrêmement paradoxal. Tout devient plus totalitaire, autoritaire, tout devient plus contraint et réglementé. Et de l'autre côté, toutes les choses qui paraissaient stables, qui paraissaient être les pivots référentiels de notre existence, vacillent. Et donc, comment arriver à ne pas devenir fou? C'est peut-être la question centrale. Vous avez peut-être remarqué qu'on navigue dans un asile à ciel ouvert. Moi, en tout cas, quand je me balade à Paris, je me pose la question. Je vois même des gens avec des FFP2 en février 2024. Donc, il y a quelque chose, il y a un traumatisme là.
à l'évidence. Et donc on a à la fois ce manque de structure et en même temps le raidissement. Et c'est intéressant parce que je discutais avec quelqu'un qui est dans la salle et qui m'expliquait qu'au niveau artistique, évidemment, on pouvait avoir une école complètement libre d'art et aller faire de la danse, par exemple, contemporaine, en se roulant dans des excréments, en hurlant à poil à Berlin, financé par Jack Lang, ou bien être plutôt dans une école classique. Une école classique mettant de la rigueur, des contraintes. Et à l'intérieur de ces contraintes, comment est-ce qu'on trouve des espaces de liberté ? Comment est-ce qu'on trouve des espaces de fécondité, de créativité, alors même que notre prof de danse classique nous a tapé sur les doigts, nous a forcé à faire les entrechats, alors même que notre prof de musique classique nous a forcé à faire les gammes, les exercices de piano, etc. Alors même qu'Emmanuel Macron, notre petit maître à tous, nous met dans une situation où tout paraît de plus en plus contraint. Et où on a l'impression que les espaces de liberté se restreignent les uns après les autres. Et mon constat, c'est qu'on a ce double mouvement d'un raidissement d'un côté et de l'autre côté d'un foisonnement de possibles, d'une ouverture encore inattendue sur tout plein de bifurcations, de failles lumineuses dans lesquelles il s'agit de s'engouffrer. Et c'est vrai dans le système de santé où la médecine aujourd'hui qu'on nous propose est une médecine normative où finalement vous seriez le jouet d'un protocole de soins qui définirait le patient idéal, qui serait bien conforme, et à qui on ferait step 0, step 1, step 2, step 3, de manière procédurale, l'ensemble des soins qu'il faut lui pratiquer. Et de l'autre côté, un foisonnement d'autres possibilités de santé et de soins. Moi, je viens de la médecine transhumaniste, on peut dire. La réanimation, c'est un système technique, c'est un ensemble de machines qui sont à notre disposition et qui donnent l'illusion du pouvoir. Et c'est pour ça que j'ai fait de la réanimation au départ. C'est qu'à 25 ans, quand on m'a dit « bon, bah, qu'est-ce que tu choisis ?» Moi, j'avais le choix entre tout ce que je voulais. Bon, où est-ce que je m'amuse? Où est-ce que ça a l'air chouette? À l'endroit où j'ai pas à remplir des bons de transport. J'ai pas à remplir des bons administratifs pour faire rentrer en EHPAD le patient. J'ai pas besoin de faire une traçabilité ni rien. Et puis, j'ai une horde d'infirmiers, d'infirmières, d'aides-soignants, de machines qui sont à ma disposition et je claque dans les doigts. Tac! On met un médicament qui va rétablir la tension. C'est un peu magique, hein. Le patient était tout gris, et d'un coup on lui met de la noradrénaline, et pouf, ça y est, il était un rose. Alors, il était tout bleu, en train de s'étouffer, et puis on lui met un tuyau dans la gorge et un respirateur, et pouf, il est vivant. Et donc il y a une sorte d'ivresse prométhéenne, et de toute puissance. Et je pourrais tout accomplir grâce à ça, sauver la vie de tout le monde. Et en plus, on est à ce point charnière de la vie et de la mort. Pas en train de soigner une hypertension artérielle, rien, non, c'est quelque chose de sérieux, quoi. Enfin, et j'ai embrassé cette carrière-là pour cette espèce d'ivresse adolescente de la toute-puissance. Mais au contact du réel, j'ai constaté que malgré tous ces outils, malgré tous ces possibles qui étaient ouverts, il existait un champ de tension dans ma pratique entre ce qui était faisable et ce qui était souhaitable. Et il était plus facile de définir ce qui était faisable. Je peux mettre un respirateur, je peux mettre de la noradrénaline, je peux mettre une machine de dialyse, je peux mettre une circulation extracorporelle pour remplacer le poumon, etc. Ou le cœur. Mais est-ce que c'est souhaitable ? Et il me semble que l'ensemble de notre société est prise dans ce champ de tension où l'arsenal technique du monde machine dans lequel on est pris est de plus en plus important. Et actuellement, pour l'ensemble de nos pratiques, même de notre activité créative, des outils sont à notre disposition qui optimisent, accélèrent, ouvrent des possibilités, donnent l'impression de toute puissance. Aujourd'hui, même si vous êtes illustrateur de livres, comme Benoît Flamec, mon illustrateur dans certains de mes livres, bah faire des images avec Midjourney, une intelligence artificielle générative, devient très tentant. Ça va vite, c'est puissant. Si vous êtes agriculteur, peut-être vous avez envie de faire survoler vos champs par des drones qui vont vous donner votre compte d'exploitation à mi-saison pour savoir combien vous pourrez avoir de rendement. Vous allez recevoir des SMS pour optimiser les épandages de pesticides et le moment où vous allez mettre les intrants. C'est ce qui se passe actuellement dans l'agriculture. Et on est très loin du paysan. On est très loin de l'artisan, les mains dans la terre, qui essaye de sentir et de palper dans le subtil quelle serait la bonne date des semis. On est sur une optimisation industrielle du système agroalimentaire. Et au passage, dans cette optimisation et l'utilisation de la méga-machine, alors qu'on croyait l'utiliser, c'est la méga-machine qui nous utilise.
Nous devenons un rouage de la machine. Nous sommes réifiés, comme on disait dans les cours de philo. Nous sommes transformés en choses. C'est le même mouvement que celui des paysans qui sont devenus des ouvriers, des artisans qui sont devenus des ouvriers. Ils étaient au contact de la matière, un frottement dur, proche, à accepter d'être transformés par leur rabot et par la planche à chaque fois qu'ils la rabotaient, à accepter l'idée qu'à chaque fois serait renouvelée la question « Est-ce que je fais un chef-d'œuvre ou est-ce que je fais quelque chose qui n'a pas de sens ?» Et mon corps entier va se transformer. Et petit à petit, l'ouvrier, lui, devient voilà, juste le prolongement de son outil. Et il est déclassé. Il est toujours en retard. Il est, par définition, obsolescent. Et on le remplacera. C'est ce qui est en train d'arriver aux paysans qui sont devenus des agriculteurs, puis des exploitants industriels de l'agriculture. C'est ce qui est en train d'arriver aux enseignants, qui étaient au départ des maîtres, avec des disciples, qui sont devenus petit à petit des pédagogues, puis ensuite des enseignants, puis ensuite, je sais pas comment on dit aujourd'hui, des accompagnateurs d'éducation, ou un truc comme ça, d'ailleurs de la novlangue assez bien formulée pour faire les cours d'éducation à la vie relationnelle et sexuelle. Et c'est la même chose pour les soignants. D'un humain qui rencontre un autre humain dans sa souffrance et qui essaie de l'accompagner dans son chemin de guérison, qui sera à nul autre pareil, qui ne peut pas être reproductible, puisqu'il est un chemin unique de ce patient-là, cette personne-là, dans sa souffrance de son être au monde intégral, pas juste « est-ce que j'ai un furoncle sur la fesse ou un cancer du sein ?» quelque chose de beaucoup plus grand et de beaucoup plus dense et vaste que ça, et ben on fait un technicien du soin. Et le réanimateur, c'est le technicien du soin par excellence. Parce que moi, ce que je sais faire, c'est manipuler des machines. Et à la fin, je résous le vivant, quelque chose d'aussi complexe qu'une personnalité, avec toute son histoire familiale, transgénérationnelle, traumatique, ses bonheurs, ses joies, en 6 fonctions vitales. Respiratoire, hémodynamique, neurologique, rénale et métabolique, hépatique et digestive, et hématologique. Et pour chacune de ces 6 fonctions vitales, j'ai une réponse symptomatique. Ça ne va pas au niveau respiratoire, je vais mettre de l'oxygène, puis je vais mettre un tube dans la gorge, puis une machine pour aider à respirer. Ça ne va pas au niveau hémodynamique, je vais remplir, je vais mettre du sang, du lot et du sel dans les veines, puis je vais mettre un cathéter veineux central qui va rentrer jusqu'à l'entrée du cœur, et qui va être un tuyau grand comme ça, qui va rentrer et donner des médicaments comme des amines pressives, la noradrénaline, l'adrénaline, qui vont rétablir la fonction des vaisseaux et remettre une tension. Ça ne va pas au niveau neurologique, je ne sais pas faire, je ne peux pas remplacer un cerveau. Par contre, je peux essayer d'éviter d'aggraver les choses. Ça ne va pas au niveau hépatique, je peux remplacer le foie, je peux remplacer les facteurs de coagulation, je peux remplacer l'albumine. Ça ne va pas au niveau rénal, je peux remplacer les reins, je peux mettre une machine d'épuration extra-rénale. Ça ne va pas au niveau hématologique, je peux transfuser des plaquettes, je peux transfuser des globules rouges. Ok. C'est ça ma vision du vivant. 6 fonctions vitales. Sauf que plus j'ajoute des artefacts, plus j'ajoute de la méga-machine à ce patient, le plus il est stabilisé, le plus je suis rassuré. Le plus le monde est contrôlé. J'ai un scope qui m'indique la tension. Et en temps réel, je peux rétroagir avec la noradrénaline sur la tension. J'ai une saturation des gaz du sang qui m'indique la quantité d'oxygène et de gaz carbonique et le pH du patient. Et je peux optimiser les réglages de mon respirateur. Et ainsi de suite. Mais au bout d'un moment, ces boucles cybernétiques de feedback, évidemment, il n'y a pas besoin de moi. Je pourrais mettre des boucles d'intelligence artificielle qui régulent toutes seules la tension du scope et la seringue électrique de noradrénaline, qui règle toute seule la quantité d'oxygène et le gaz carbonique avec la fréquence respiratoire, le volume courant, etc. Et donc, au fond, j'ai créé les conditions de ma remplaçabilité, du fait que je n'existe plus. Ça, c'est moi en tant que patient. Mais du côté du patient, en tant que soignant, mais en tant que patient, qu'est-ce qui s'est passé? Cet humain libre, qui courait dans les champs, joyeux, et vivant, devient un objet nu, mis à nu, en pleine souffrance, rempli de tuyaux, rempli de machines. Et plus il a de machines, plus il va mourir. C'est le constat de la réanimation. Le but de la réanimation, mon but en tant que soignant, c'est de foutre dehors les patients. C'est qu'il n'ait plus aucun tuyau. C'est qu'il retrouve le fait d'avoir mal, le fait d'être conscient, le fait d'être vivant et libre, autonome. Mais plus ma pratique avance, plus je rajoute des machines. Et comme c'est insupportable, je vais mettre des médicaments pour calmer la douleur, qu'il n'y ait pas de sensation, de la morphine. Très forte. Et puis comme c'est encore insupportable au niveau psychologique, au niveau traumatique, je vais mettre des hypnotiques, des médicaments qui gomment la mémoire, qui gomment la conscience. Le patient n'a même plus conscience de lui-même, ne sait même plus qu'il est là. Il n'y a plus d'espace, plus de temps, plus de relations. Et on ne lui parle plus. Parfois on ne rentre même plus dans la chambre, on ne le touche même plus.
Une fois qu'il est stabilisé, optimisé, on le regarde depuis le sas d'entrée de la chambre. Et il est dans un aquarium. On regarde comment les machines bougent et tous les chiffres qu'on a extraits de lui. Cette métaphore que je suis en train de vous dresser, qui peut paraître un peu saisissante, c'est notre société entière. Notre société entière est en réanimation, bardée de tuyaux, de machines. On a remplacé ses fonctions vitales. On lui a ôté le vif, le vivant. Il n'en reste presque plus rien. Et si on continue comme ça, elle va en mourir. Comment ça ? Alors évidemment, il y a l'optimisme, il y a ceux qu'on... voilà, ça y est. Alors, on avait évidemment une approche différente. C'est-à-dire que moi, pendant plusieurs années, je me suis dit, je suis vraiment les poubelles de la médecine. C'est-à-dire, je récupérais les gens pour qui la médecine était efficace ou que la médecine avait foutu dehors pour X ou Y raison, en disant, il n'y a plus de traitement ou c'est la fin ou etc. Et puis, si on n'a pas trouvé de l'espace dans un endroit A, on va aller à un endroit B. Tant pis, ça ressemble un peu à du charlatanisme, tant pis, c'est pas remboursé, mais on va essayer de sauver sa peau, donc on va aller voir le charlatan gourou, naturopathe, hygiéniste, ou ce qu'on veut. Et en fait, j'ai accueilli des témoignages très humains, très touchants, qui avaient du mal à être déposés dans le milieu hospitalier, faute de temps, ou faute d'écoute, faute de cœur, faute d'oreille. Et j'avais commencé à les compulser. Je me suis dit, c'était vers 2007-2008 à peu près, peut-être avant, je vais te sortir en PDF et ça serait un peu le livre blanc-noir de la médecine. Parce que c'était insoutenable d'entendre des témoignages de femmes en gynécologie ou en oncologie pédiatrique ou bref, tout un tas de choses où il y avait des phrases qui étaient assassines. Et par exemple, quand on est dans le protocole, il y a des gens, des fois, ils dysfonctionnent, ils vont pas bien. Puis le médecin de famille dit « Ouais, c'est vrai que tu vas pas bien, mais écoute, t'as pas de grave, mais on va quand même faire des tests. » Et puis voilà. Et donc le mec va voir le spécialiste pour interpréter les tests, parce que moi c'est pas mon truc, donc le mec va voir le spécialiste, qui est un oncologue peut-être, et puis là il arrive, bonjour, voilà, bon, vous avez un cancer stade 3, vous allez aller voir la secrétaire, vous avez 3 fois 20 séances de chimio, et nous on se revoit dans 9 mois pour le traitement hormonal. Et donc j'en ai vu plein, pas une anecdote, plein, et en fait... Les personnes venaient en état sidératif. Puis je leur dis, vous en êtes où de la chimio? Ça fait 4 mois et je n'ai toujours pas commencé. J'arrive pas à digérer. Et là, c'est ma femme ou mon mari qui m'a dit, il faut que tu ailles voir quelqu'un. Mais eux, ils sont traumatisés par le milieu médical. Donc, faute de mieux, ils atterrissent là. Et moi, je regarde, je dis, écoute, là, il y a un vrai gros souci. Il faut que tu te fasses suivre, il faut un diagnostic. Voire même des fois, on ne peut pas pratiquer l'égal de médecine ni de diagnostic, je ne veux pas le faire. Je dis, ça me semble plus qu'approprié parce que ça ne ressemble plus à du stade 3, ça ressemble plutôt à du stade 4,5. Et donc, il y a des fois des séances entières où je passais mon temps à remettre les personnes dans le circuit pour qu'elles sauvent leur peau, qu'elles aient une chance. Et donc, c'est des traumatisés du soin, ces gens-là. C'est-à-dire qu'ils vont subir un traitement qu'on ne leur a pas expliqué, ils ne savent pas où ils vont, ils ne savent pas vraiment pourquoi. Et on leur dit, si tu es encore vivant, je te balancerai une hormonothérapie bien tankée, et puis Inch'Allah. Et là, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est voué à s'écarter autant, à ce que moi je prenne une heure et demie avec un patient, et que l'oncologue qui annonce une nouvelle dramatique ne prenne même pas 3 minutes, et il le fait, il oublie même qu'il y a un humain, parce qu'il voit son carnet de rendez-vous blindé, parce que l'air est pourri, l'eau est pourrie, la bouffe est pourrie, parce qu'il y a du stress à gogo, et qu'en fait, ça s'empile. Et c'est que l'OMS nous dit, dans ses très grandes statistiques, qu'un enfant sur deux qui naît aujourd'hui aura le cancer avant 50 ans. Donc lui, il se dit, il y a de moins en moins de praticiens hospitaliers, putain, la liste s'allonge, j'ai pas le temps de faire du sentimentalisme, et j'en vois, quoi. Et j'en vois, et puis si tu prends pas, tu dégages. Et donc je me dis, qu'est-ce qui se passe vraiment? Et donc, soit on déclenche nous-mêmes de la colère réactionnelle par rapport à ce sentiment de justice inhumain, soit on maugrait contre le praticien en question, ou alors on décide de déporter son regard ailleurs, vers des personnes qui ont envie de faire autrement. Et il y en a. Parce que c'est pas blanc-noir, c'est pas médecine salaud et santé complémentaire gentille.
Il y a des ordures dans le milieu de la naturopathie, clairement. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui n'ont rien dit pendant la crise sanitaire, alors même que c'était le moment de parler du système immunitaire, alors même que c'était le moment de parler de terrain, puisqu'on a vu que les personnes qui étaient atteintes de formes graves étaient des problèmes de nutrition, d'excès d'obésité, d'absence d'activité physique, de manque de relations. C'était à ce moment-là qu'il fallait parler de terrain, et il y a eu un silence pour essayer de ne pas prendre de coups. Mais on ne peut pas blâmer les médecins pour la même chose. Et en définitive, il y a des médecins aussi qui ont pris largement la parole, oui, mais comme tant d'autres, voilà, il y a des gens très médiatiques, d'autres moins, d'autres très anonymes, d'autres qui sont restés absolument silencieux, mais qui ont fait leur part. Et donc l'idée, c'est pas de dire gentil et méchant d'à côté, c'est de dire à quel moment on sort de son cadre et puis on admet que oui, bah, j'ai eu un travers, comme disait Louis, adolescent, et je vois la limite, et moi je veux retrouver mon humanité et je veux voir l'humanité en l'autre. Et donc l'intérêt de s'intéresser à la cause des soignants suspendus, c'est à la fois une injustice, je dirais républicaine, qui doit révolter chaque citoyen, et d'un autre côté, de dire que ce sont des figures inspiratrices de quelque chose qui doit se passer, c'est-à-dire je veux soigner avec mon cœur, j'ai de la technique, oui, je suis formé pour ça, je suis aide-soignant, je suis infirmier, je suis praticien hospitalier, anesthésiste, réa, chirurgien, ce qu'on veut, peu importe, on s'en fout. En tout cas, j'ai acquis de la connaissance, du savoir et de l'expérience, mais je ne veux pas glisser dans ce totalitarisme sanitaire qui fait que j'applique des protocoles bêtement. J'ai recommandé 1250 fois de l'azithromycine sur les deux dernières années. On m'interdit d'en prescrire alors que je vois qu'il faut le faire, je ne l'accepte pas. On m'interdit de mettre ce traitement alors que je le connais par cœur, l'hydroxychloroquine, parce que j'en passe à l'appel et qu'on en a passé des milliards de fois, je ne veux pas. On m'interdit aussi de faire se visiter des gens en EHPAD, je ne veux pas. Et donc cette sécession qui est faite, c'est de dire « je ne veux pas que le protocole décide de où je mets le curseur sur mon humanité ». Et donc ça crée un phénomène social qui est bien plus grand que les soignants suspendus. Ce sont les premiers à avoir eu à prendre une décision, ce sont les premiers à avoir eu à se faire taper sur la tête, avoir eu une énorme clé de bras, puis plaquer la tête contre le goudron en leur disant bah, « t'as le choix, t'as un libre arbitre, t'as vu, c'est choisi, hein, c'est... je t'impose pas, elle n'est pas obligatoire hein, cette injection, tu l'as vu ». Au final, on va tous être comme ça, soit avec notre compte bancaire, être obligé d'avoir une puce ou truc. « Je veux pas de ticket de métro, bah, j'ai quand même une carte je veux pas une carte magnétique ». Je veux un ticket de métro, ben je ne peux pas l'avoir. Je ne veux pas être géolocalisé sur mon machin, ben on m'oblige. Ce sont des obligations systématiques et systémiques. Et donc, dans la cause des soignants suspendus, moi, la tentative, c'était de créer un regard anthropologique qui est venu être renforcé il y a quelques semaines par les paroles d'Aurélien Rousseau. Vous vous rappelez, Aurélien Rousseau, c'est l'immense ministre de la Santé que nous avons eu pendant quelques semaines. C'est, voilà, des fois, je demandais aux gens, désolé, ça me vient comme ça, donc je le dis, on s'occupe beaucoup du système intestinal, je dis à peu près combien de gaz avez-vous dans la journée, ça m'aide à aller voir s'il y a des fermentations, des putréfactions. Et bien voilà, à l'échelle de l'humanité ou de la Ve République, Aurélien Rousseau, ben, c'est un gaz au ministère de la Santé. C'est-à-dire, vous ne savez même plus si vous avez pété 10, 15 fois ou 5 fois dans la journée. Donc Aurélien Rousseau, c'est à peu près ça, donc je le cite pour l'honorer, parce que personne ne le fera dans les livres d'histoire. Et donc, il a eu quand même une parole très intéressante dans un lycée. Deux paroles très intéressantes. Il va voir un enfant qui est évidemment assis en position de soumission et lui dit, bah, tu vois, grâce à ta deuxième injection du Gardasil, tu n'auras jamais le cancer. Donc c'est la première chose, c'est-à-dire que là c'est du scientisme, c'est faux, c'est absolument faux, c'est totalement faux, il devrait être repris par les fact-checkers, et ce qui n'a pas été le cas, c'est que là il fait de la désinformation, il rentre dans la tête d'un enfant avec une peur, puis lui dire bah, « grâce à moi, sous-entendu, ton ange protecteur, tu n'auras jamais le cancer ». C'est faux, et derrière, il y a la journaliste alors, en quoi la vaccination est importante, et il dit bah, « en fait, il faut vraiment que ça devienne un rituel. Et là, ça fait tilt. Parce que tout le bouquin, tout le propos, c'est sur la ritualisation. C'est-à-dire le fait le rite de passage. C'est-à-dire on a différents rites. D'ailleurs, on en a de moins en moins. Pour accéder à un autre état de conscience ou à une autre place dans le groupe. Ça peut être diplômé en médecine ou être chef de service, enfin, bref, peu importe, ou le passage à l'âge adulte. Bref, c'est très connu en anthropologie ou en ethnologie, le but c'est pas de détailler ça, mais il y a des moments clés où en fait où on ritualise quelque chose pour passer à une autre étape.
Et moi, j'ai vu la vaccination comme un passage initiatique pour être agrégé au transhumanisme, c'est-à-dire accepter de rentrer dans un protocole réitéré, c'est-à-dire tous les 6 mois, tu dois avoir ta dose, sinon tu ressors du groupe, et tu dois repasser par ce qu'on appelle un rite renforcé. Donc soit tu rentres dans le rythme de la machine imposée, où tu sais que tu peux être obsolète, où tu sais que tu es inefficace, et où sur toi on te fait peser le fait que y a bien quelqu'un qui va le faire à ta place, ou alors une machine, ou alors tu choisis un autre rite qui est un peu plus souffrant, peut-être moins physiquement ou avec moins d'effets secondaires, mais en tout cas délicat, où je m'individue, je me singularise par rapport au groupe, quitte à être mis de côté, et là j'écoute peut-être ce que j'ai mis de côté par le confort, où j'étais un peu trop indolent, j'avais une position confortable, une vie de famille confortable, des loisirs confortables, et puis je laissais la bête gagner du terrain un petit peu, je voyais bien que ça devenait puant avec des caméras un peu partout, des contrôles un peu partout, des normes un peu partout, des interdictions un peu partout, mais bon, j'avais un bénéfice secondaire intéressant par le confort qui m'était troqué. Mais à un moment donné, il y a le sursaut. Et ce rite-là que je dois passer, c'est d'accepter d'être un humain pleinement conscient et souffrant, et qui va passer aussi par de la souffrance dans ce rite-là, pour devenir pleinement singulier, et comme l'a fait Louis, retrouver une autonomie de pensée et d'action. Alors bien sûr, il y a toute la connaissance technique, il y a toute l'expérience accumulée, il y a toute l'humanité qui a été mise, mais en fait ça ne peut plus tenir quand il y a eu la prise de conscience. Et c'est l'abdication de son humanité à laquelle étaient confrontés aussi les soignants, et dans mes propos, il n'y a absolument pas de jugement. C'est chacun fait comme il peut, et au moment où il le peut. En tout cas, de mon point de vue, quand je parle d'avant-garde, c'est à entendre d'une double manière. C'est l'avant-garde qui doit se positionner avec sa conscience par rapport à quelque chose qui n'est plus tenable, et avec une date fatidique, tu dois choisir au 15 octobre, tu dois choisir. Mais en définitive, on va tous devoir choisir, comme on va se faire soigner, mais je dirais presque comme on va consommer, on va vivre. Nous allons bientôt vivre les Jeux Olympiques. On va voir aussi comment on peut choisir de circuler dans Paris, si vous devez avoir un QR code aussi, ou si il vous prend l'envie d'aller voir le sprint du 100 mètres à 1 500 € la place, ou alors peut-être que vous devrez être scanné avec je sais pas quoi. Enfin bref, vous avez compris le truc. Mais en tout état de cause, on va devoir être couche après couche, laminé par ce choix-là. Et on essaye de se protéger de la même façon que la santé naturelle. On s'est dit, ouf, on a tapé sur l'homéopathie il y a 4-5 ans, mais ça va, c'est pas sur le jeûne, c'est pas sur la naturopathie. Ben non, tout le monde va se faire déglinguer. On a bien compris que si on ne pouvait pas être récupéré par la machine, si on ne pouvait pas être protocolarisé, financé, promu pour servir un intérêt de lobby, on n'a aucune utilité, on est une fuite du système, et donc il doit être tordu en deux. Et donc, dans les soignants suspendus, il y a cette, pour moi, cette puissance du choix solitaire, et ensuite une agrégation secondaire dans syndicat Liberté Santé ou d'autres choses, les collectifs unis de Jean-Louis Blondeau. Mais le choix individuel, c'est comment je vais me faire soigner, comment je me positionne, comment je dis non, comment je refuse et comment j'anticipe. Et je pense que là, on est dans une étape intermédiaire entre deux tempêtes où on doit se positionner à anticiper, prévoir, se projeter. C'est pas agréable. C'est douloureux. Personne n'a envie de revivre ce qui a été vécu. On n'a pas envie d'entendre couvre-feu, on n'a pas envie d'entendre confinement. Enfin, il y en a encore à qui je parlais, là, qui avaient les larmes aux yeux. Bien sûr que c'est très, très souffrant. Alors ça prendra d'autres formes. On n'a pas besoin de repasser par un confinement en autre feu. On compte sur McKinsey pour trouver des néologismes tout à fait intelligents, sûrs et efficaces pour rentrer dans le cerveau. Il n'y a pas de souci. Mais on est dans cet entre-deux où on doit mettre à la fois de la structure sur ce qui a été vécu pour le poser enfin, de manière certaine, être serein avec nos émotions et s'agréger à des groupes qui vont dans le sens des initiatives qui nous semblent être bonnes pour nous-mêmes et pour la communauté. Et ça, c'est ce moment, pour moi, il est très réjouissant. Et grâce à cette crise, on peut faire mieux, plus, et se développer et grandir. Les projets que j'ai évoqués, qu'on fait avec Louis, mais avec beaucoup d'autres, en définitive, ils n'auraient pas pu trouver de terreau fertile
sans cette crise-là. Et si on a un regard binaire en disant bien, pas bien, la crise, c'est que mal, bah, c'est peut-être pas comprendre le fonctionnement cyclique des choses. Vous observez le taoïsme avec le yin, le yang, dans toutes les traditions, l'un est dans l'autre. C'est comme ça. Il n'y a pas de bien et de mal. Il y a une non-dualité à respecter. Et en fait, c'est à quel point je peux être présent, à quel point je peux ressentir et à quel point je suis structuré pour pouvoir me mettre en mouvement de manière écologique. Voilà, je m'arrête comme ça. Merci Fabien, tu reviens sur ce choix des soignants suspendus, cette espèce de moment intermédiaire. Qu'est-ce que je choisis? Quel destin? Est-ce que je reprends la liberté avec le prix que ça coûte et à devoir naviguer dans et le bien et le mal? Ou est-ce que je fais partie du système, je continue à faire partie? Et là-dedans, pour moi, il y a quelque chose d'important, parce que c'est à la fois le choix des suspendus, mais c'est aussi le choix de tous les gens individuellement ces dernières années sur... Tous les moments, on leur a demandé de se positionner. Est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous êtes contre? Est-ce que vous êtes pour ou contre l'Ukraine, pour ou contre l'Israël ou Palestine, pour ou contre les punaises de lit, pour ou contre... Pas de plus, quoi. Et on sait qu'à Paris, vous êtes envahis. Hein. Et c'est très dangereux. Votre immobilier va valoir beaucoup moins cher bientôt. Hein. Après le diagnostic carbone, il y aura le diagnostic punaises de lit, c'est fini, votre appart. Vous avez 5,8 millions pour votre 12 mètres carrés. C'est terminé. Mais non, pour vous dire que qu'est-ce qui préside à ce choix-là? Il y a des héros, il y a des pleutres, il y a des lâches, c'est quoi en fait? Qu'est-ce qui se passe? Et bien souvent, pour ceux qui ont fait un choix, une grande partie des gens dans cette salle ont peut-être vu clair dans ce qui s'est passé dans le Covid, en partie, et ont tendance à vouloir éclairer les autres, les réveiller. Ça ne marche pas. Hein. Ça marche pas. Et plus vous y allez, plus il vous voit venir à 15 mètres. Oh, putain, il a son tract, ah, il va encore me parler du Covid, ah, on l'invite pas. Ok, bon. Donc c'est pas des données qui vont, c'est pas de la science, c'est pas de l'intellectuation, c'est pas des concepts qui vont porter la conviction, c'est autre chose. C'est autre chose et qui a trait à cette histoire de santé, de ce que j'ai compris de l'hygiénisme que pratique Fabien et qui m'a raconté, et qu'il y a une tension entre d'un côté la toxémie, l'ensemble des saloperies qu'on mange, qu'on écoute, qu'on reçoit, des émotions négatives qui viennent essayer de mettre à mal l'intégrité de notre moi, essayer de nous disloquer en morceaux. Et ça peut être des perturbateurs endocriniens, mais ça peut être tous les jours la messe des morts de Jérôme Salomon, quoi. Ça peut être BFM en continu. Hein. Il y a des expériences en cours. Là, il y a un groupe témoin. Et il y a un groupe qui est soumis au traitement. On expose les gens à BFM TV en continu. Pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, même. Plusieurs mois. Et on voit quand est-ce qu'il meurt. Et non, c'est moche, mais ça fait partie de la toxémie, quoi. Et là, il y a une question, qu'est-ce qui nous permet de se débarrasser de cette toxémie? Parce que, bon, on n'est pas obligé de se mettre devant BFM TV. Il y a eu des films, vous savez, sur les burgers de McDo. Hein. Il y a des gens qui ont fait ça, qui ont essayé de prendre du McDo pendant plusieurs semaines d'affilée, qui ont fini très malade. Bon, on va faire le même avec BFM. Et qu'est-ce qui permet de d'éjecter ça, quoi? De garder son moi intact, de garder nos structures. Alors même qu'on a besoin aussi de porosité, de se nourrir du monde extérieur. On ne peut pas être en vase clos, on ne peut pas être autarcique. Donc on est sensible à ça. Et c'est comme si en face de cette toxémie, il y avait une énergie vitale. Quelque chose qui nous permettait de faire face à ça, de garder notre intégrité, de traverser les transformations. Cette énergie vitale, elle est évidente chez un enfant. Un enfant passe son temps à bouffer des merdes, quoi. Enfin, voilà, quand il n'est pas élevé de manière en orthorexie, voilà, quand il y a un peu de liberté, il a des jouets en plastique chinois, enfin, il y a des trucs, il y a des perturbateurs endocriniens, quoi. On lui offre des licornes à tous les anniversaires. Vous avez compris, LGBTQI+, licorne, c'est pareil. Enfin, arrêtez d'offrir des licornes aux enfants. Leur laver le cerveau, quoi. C'est pas ça. Il faut choisir. Et donc il y a cette énergie vitale en compétition avec la toxémie. Et pour moi, l'important c'est de recharger l'énergie vitale. Parce que si vous avez une énergie vitale haute, vous êtes capable de supporter des chocs toxémiques absolument hallucinants. Vous êtes capable de détoxiquer toutes les saloperies qu'on va réussir à vous injecter dans le corps, dans l'esprit, dans la tête, dans les émotions, dans la relation. Et comment on travaille? Et c'est peut-être une des clés. Si vous voulez convaincre des gens en face,
votre mari, votre fille, votre belle-sœur. C'est terrible ce qui s'est passé, parce qu'elle venait mettre à mal l'intégrité même de nos familles, de nos amitiés, de nos collègues de travail. Donc vous voulez les convaincre, parce que vous voudriez reformer cette parité dans laquelle vous existiez, ce groupe social dans lequel vous pouviez vous exprimer et exprimer votre liberté. Mais non, il a volé en éclats. Et donc vous essayez de convaincre par la force de la conviction, par la force des slogans, avec des gens en face qui reçoivent un tel niveau de toxémie en face, que vous, ce que vous leur donnez, en fait, c'est une toxémie pour eux. C'est-à-dire vous êtes en train d'essayer de leur injecter un poison qui risque de faire voler en éclats leur appartenance à cette société. Mais Louis, t'es en train de m'expliquer des trucs, mais t'es même plus médecin, là. T'es l'ordre des médecins, t'as radié pendant 3 mois, t'es plus à l'hôpital. C'est ça le destin enviable que tu me proposes? Si tu vois la vérité, tu vois le jour. Non, non, c'est pas supportable. Donc les gens vont vous gommer de leur paysage. Vous n'existez plus, c'est plus simple. Ils excluent cette toxémie, ils se protègent. Ah, c'est très important de se protéger en partie de la toxémie. Et il y a beaucoup de gens pendant cette crise et ces dernières années qui, au bout d'un moment, ont éteint la télévision. Donc, je vous donne un exemple, c'est moi le premier, sur la crise israélo-palestinienne, c'est trop pour moi. Je sais pas quoi penser, c'est trop compliqué. Et moi, la compétition victimaire des enfants en train de se faire massacrer d'un côté ou de l'autre, je peux pas regarder ça en fait. C'est, à la fin, j'en chialerai tout le temps, quoi. Donc, que cet épicentre spirituel du monde soit le jouet d'un conflit classique qui va tout détruire. Et donc je me suis protégé, moi j'ai... C'est terminé. Ok, ça c'est le réflexe salvateur. Il y a beaucoup de gens qui ont fait ça, hein, qui ont préféré ne pas voir ce qui se passait, ne pas écouter les nouvelles du Covid, mais pas écouter non plus le conseil scientifique indépendant. Et de l'autre côté, comment nourrir l'énergie vitale? Mais là, c'est pas compliqué quand même. Ah là, on a tout oublié là. Le fil rouge de l'humanité, le fil rouge de l'enfance en nous. La joie... La paix, la beauté, la liberté, la danse, le chant, le partage, la bonne bouffe, un verre de vin, rencontrer des gens qu'on aime, faire un câlin. Tout ça nourrit l'énergie vitale. Et pourtant, c'est ce qu'on coupe en premier. Il y a beaucoup de gens qui ont passé des heures et qui continuent à passer des heures devant Twitter. Peut-être que vous avez mis un doigt comme ça dans Twitter et vous en prenez plus et ça s'arrête plus, quoi. Twitter, vous avez bouffé 2 heures de votre journée, 2 heures de votre temps de vie. Vous avez écouté Aurélien Rousseau, puis vous avez répercuté Aurélien Rousseau. Vous l'avez donné en miroir pour essayer de vous en débarrasser. Mais au fond, vous l'avez mis en résonance. Vous avez fait encore plus d'Aurélien Rousseau. Il y en a plein, ils sont partout, là. Il est là, mais il n'était pas là. Juste des gens qui sont poursuivis jusque dans leur douche. Vous avez pensé au nombre de personnes qu'il y a dans votre douche quand vous prenez une douche? Et vous êtes tout seul dans votre douche, hein, avec vous-même et votre corps. Il n'y a pas de raison que vous savonniez avec Macron. Hein. C'est pas possible. Donc il faut une hygiène mentale, une assaise. Quelque chose de l'ordre d'une autoprotection. Et puis nourrir la joie, nourrir la beauté, nourrir la paix. Et ça, il y a quelque chose de très fort. C'est la ritualisation collective. Le refrain, la rengaine, la répétition. Nous sommes des êtres de refrain, des êtres de répétition. Très profondément, notre réalité est structurée par des répétitions. Ces répétitions peuvent s'appeler figures d'attachement, papa, maman, nounou, parents, professeurs. Elles peuvent s'appeler des routines dans notre quotidien. Biberon du soir, histoire du soir, câlin du matin, petit déjeuner au café au lait, un brossage de dents à telle heure. Ce sont des refrains, des rengaines. Et on a tous des rengaines. Certains, c'est la prière. À telle heure, je prie, et vous savez que les moines, bam, 5h du matin, matine, bam, 7h du matin, je sais pas quoi, truc jusqu'à compli, quoi. Ok, la journée est bien rythmée. Mais ils tiennent le coup. Parce que ça structure un espace de réalité stabilisé. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, les gens en face? Ils ont créé des rengaines, ils ont créé des refrains, des routines. Ils ont détruit nos routines habituelles pour imposer les leurs. Vous ne savez plus comment vous dire bonjour. Jusqu'à des gens à la messe, hein, pour faire la paix du Christ. La paix du Christ, pour ceux qui ne sont pas chrétiens, c'est on se prend dans les bras ou on se serre la louche pour dire on fait tous la paix, quoi. Si seulement on faisait tous la paix. Donc on rêve de ça à un moment, on dit ah, si on faisait tous la paix, on dit ah, bah, si on se prend à rêver, quoi. On pourrait tous faire la paix comme ça, hein, en une seconde, se serrer la louche et se réconcilier. C'est possible. Et donc normalement, c'est assez effusif. Là, c'est. Comme ça, de loin, et gêné. C'est pas ça, hein, la paix du Christ. Et le bonjour, qui est normalement la façon normal de se dire bonjour en Afrique du Nord et dans tout le pourtour méditerranéen, c'est la même chose. Ça va? Ouais, ça va. Et la baisse, alhamdoulilah. Et la famille, ça va? La baisse, alhamdoulilah. La famille, ça va. Et toi, la famille, ça va? Ça va. La santé, ça va? Ça va. Ça va. Fatigué, ça va.
Et les copains, ça va, oui, ouais, le travail, ça va aussi, ça va, ça va. Et une fois qu'on a ratifié tout ça, qu'on a posé toutes ces choses importantes, les seules vraies choses importantes, qu'elles sont là, qu'elles sont stables, la baisse, alhamdoulilah, ça va. Là, on peut commencer à discuter de ce qui fâche. Ah. Donc si vous essayez de convaincre quelqu'un dans la rue, dans un espace public, si vous essayez de convaincre votre beau-frère, que vous avez vu venir depuis 40 fois, puisque vous ne lui parlez que du Covid systématiquement dès que vous le voyez, il y a des chances que vous n'ayez pas créé les conditions rituelles de rentrer en relation. Vous n'avez pas ratifié la Alhamdoulilah. Ça va la famille. Il faut déjà créer cet espace ritualisé là, où vous êtes en sécurité ensemble. Et donc peut-être qu'il faut déjà déboucher une bouteille. Un verre. Allez Gérard, je te sers un verre. Un deuxième verre. Alors Gérard, on parle du Covid. Oh non Louis, tu me fais chier avec ton Covid. Allez, t'as raison, on s'en fout. Et on parlera de ça la prochaine fois. Et en fait, la répétition de cet espace sécurisé dans lequel déjà on est bien ensemble et on se montre l'énergie ensemble. Parce que c'est ça, la magie du rituel, c'est qu'il nous charge individuellement, il recharge nos batteries. Pourquoi on est là? Vous pourriez me voir sur Internet. On est là pour charger nos batteries. Et pour charger le lieu. On va charger le lieu de manière très importante. Et les lieux sont chargés de l'énergie qu'on y a mis, positive ou négative, ou entre les deux. Vous allez à côté d'une école maternelle, il y a les petites mains colorées avec la peinture, tout ça, touc touc, vous savez, les petites cartes de France, les cartes du monde, les petits platanes, les toboggans et tout ça. Il n'y a pas besoin qu'il y ait des enfants. Vous ressentez l'énergie de l'enfance et de l'école, toutes les énergies qu'il y avait, quoi. La tension, des bagarres, mais en même temps de la vie sociale, des copains, des bandes, l'envie d'apprendre et en même temps la difficulté. Vous passez près d'une prison, bah, il y a toute la charge de la prison. Il n'y a pas besoin qu'il y ait de détenus. Vous la ressentez à distance. Vous passez à côté de l'urgence, vous passez à côté de la santé. Vous n'avez même pas besoin de rentrer. Les murs eux-mêmes vous disent ce qui est en train de se passer là-dedans. Les gens qui sont allés à Auschwitz ou à Birkenau racontent tous que la terre a bu la souffrance et qu'elle la rend en permanence, qu'elle la vomit en permanence. Et tous les gens qui y vont font « Ok, silence. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes extrêmement puissants à développer ensemble une énergie qui transforme le monde par la ritualisation collective. Et ça, le système capitaliste qui se nourrit en permanence de toutes les énergies et qui passe son temps à s'approprier ce dont il vous a exproprié, le sait. Et donc, toute cette énergie rituelle, il va vous emmener au Stade Vélodrome à Marseille et il va mettre 65 000 personnes ensemble. 65 000 personnes ensemble pour un match. Vous imaginez 65 000 personnes ensemble en train de taper sur des tam-tams, comme dans le monde paléo-africain. 65 000, vous avez une déflagration qui transforme la terre entière. Et bien tout cet argent, tout cet énergie, pardon, est sucé sous forme d'argent. Et le milieu du foot aujourd'hui est un des milieux les plus dégueulasses qui soit. Fabien le sait, il édite Romain Molina qui travaille sur ce sujet avec de la pédocriminalité, du détournement de fonds, etc. Pareil pour les Jeux Olympiques, la paix entre les nations, enfin on parle d'autre chose que la guerre, etc. Du pognon, du pognon, du pognon, du pognon, du pouvoir, de la restriction. Donc il y a un enjeu très important là, c'est que c'est à nous de recréer des ritualisations collectives. On se charge d'énergie positive et on charge les lieux où l'on vit d'énergie positive. Alors en parlant de ritualisation, j'avais essayé de faire ça au mois de mars, dans la confusion, au tout début du confinement. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour ritualiser? Et tout de suite, j'ai ouvert la technologie, et j'ai ouvert une page Facebook, c'est la méditation de 18h. Et on se retrouvait tous les jours à 18h, pour ceux qui me suivaient, il y avait 15-20 000 personnes sur Facebook, et on devait être une centaine à peu près, à 18h tous les jours. Centrage, méditation, puis ensuite je faisais une petite causerie et ça durait une heure. Et ça désemplissait pas, ça augmentait un petit peu. Et c'était devenu routinier. Et à un moment donné, je me suis dit, il faut que. Comment ça va fonctionner de manière autonome? Et il y en a qui ont repris. Et ça, c'était de dire dans la folie, dans le chaos ambiant, de dire mes routines à la maison ont explosé, mes routines à travail ont explosé. Il faut retrouver un axe. C'était comme dire à 18h, tout le monde est à peu près disponible. Mais avant de rentrer dans l'angoisse nocturne de Jérôme Salomon, qui dit qu'il y a eu 783,2 morts aujourd'hui, on va pouvoir se nettoyer un petit peu le cerveau. C'est-à-dire que tous les collègues tarés de la journée qui ont dit « Mais t'as pas mis trois masques ?» Ils ont dit qu'il fallait mettre trois masques aujourd'hui, que c'était un FFP2,2. Eh bien non, on va pouvoir le nettoyer pour ensuite avoir un moment de calme.
Donc il y avait eu ça, et puis revenir aux basiques, aux fondamentaux. L'hygiénisme, pour moi, c'est la liberté. Si je dois définir l'hygiénisme, c'est la liberté totale, absolue, définitive, dans le sens où c'est la voie de la nature. Et d'ailleurs, c'est l'objet de mon prochain documentaire que j'ai commencé en 2018. Il me reste 3 interviews à faire et j'espère le finir cette année. Et c'est parti d'un constat. C'est-à-dire l'homme moderne est dégénéré complètement. Et quand il comprend qu'il est dégénéré, il est perdu. Il ne sait pas par où commencer. Puis il entend plein de choses. Ah ben, faut que le traitement expérimental, anticorps monoclonaux, le jeûne, les huiles essentielles, enfin, des choses qui sont là, par rapport au front. Et le fait de le nommer la voie de la nature, c'est de dire, pose-toi, arrête. C'est rare que tu sois en stade 4, où là tu dois agir dans l'urgence, ou que tu dois faire face au réanimateur. Donc, prends le temps, pose-toi et observe la nature, contemple. Donc la voie de la nature, ça s'entend V-O-I-E, V-O-I-X. En fait, pas, je vous fais de la pub pour quelque chose qui n'existe pas, donc c'est pas pour que vous puissiez consommer, il n'y a pas de souci. Mais c'est en gros de dire, ce mouvement-là trop intellectuel, trop pressé, trop athée, c'est celui qui nous mène dans le précipice. Pause, isolement, rétractation, ressenti, contemplation. Et donc j'avais essayé de faire la même chose avec la méditation, et ensuite j'ai fait des vidéos dans la forêt, près de chez mes parents, là où on va tronçonner le bois avec mon papa. Et donc j'ai fait une série de 10 vidéos, les basiques. Qu'est-ce que c'est que la respiration? C'est gratuit, hein. Qu'est-ce que c'est que l'alimentation? Qu'est-ce que c'est que l'hygiène corporelle? Qu'est-ce que c'est que la relation sociale? Qu'est-ce que c'est que l'ensoleillement? Là on a un ami Arnaud qui est ici, qu'est-ce que c'est que le toucher pour soi-même et pour l'autre? En fait, qu'est-ce qui nous constitue et à quel point c'est puissant. Mais toutes ces techniques-là, qu'on a déléguées, et on passe notre temps à les abîmer, on est tellement contracté dans des positions recroquevillées qu'on respire plus que de l'air conditionné. Maintenant, c'est des grosses clims dans les apparts. On va au boulot, on met la clim dans sa voiture, maintenant elle est quasiment automatique. C'est dur de désactiver la clim dans une bagnole. On arrive au bureau, c'est un grand open space avec des meubles en COV qui recrachent des trucs dégueulasses, puis des gros climatiseurs, chaud-froid. En fait, on respire pas de bon air dans la journée. Et si nous vient l'envie de prendre soin de notre activité physique, on va à Basic Fit et on a un énorme climatiseur au-dessus du tapis de course. Alors, la respiration fondamentale, puis on est tellement suffocant devant l'actualité qu'on se contracte. Et le diaphragme est comprimé, et ça va, ouais, ça va. On a un volume d'air résiduel énorme, bourré de CO2, et on respire plus. Et juste expliquer ça, puis dire, bah, si tu te détends, si tu prends le temps, si tu observes, c'est déjà énorme. Si tu penses, et dire, qu'est-ce qu'on doit bouffer? Et que lui, on se pose la question, il me dit, mais finalement, qu'est-ce qu'on doit bouffer? Moi, je réponds, ce qui peut pourrir. Point. Si ça pourrit pas, ça n'a rien à faire. Quelque chose qui sort d'une industrie n'a rien à faire dans votre bouche. C'est satisfaisant. Voilà, on va faire la fête, on va faire des trucs, on est pressé. Pas de souci, pas de problème. On est très content de manger des frites ensemble. À chaque fois qu'on se voit, c'est un peu un petit rituel. Moi, je suis très content de l'avoir. À chaque fois que je vois Louis, je dis, ah cool, on va manger des frites. Les frites McDo ne pourrissent jamais. Ouais. Donc c'est pas McDo. Hier, on a fait meunier frites à Lille. Enfin voilà, on essaie quand même d'être éthico-responsable, conscient. Non, je déconne. Mais en tout cas, voilà, on s'en fout. C'est pas la perfection. Personne n'est tenu à la perfection. Par contre, on est tous responsables de savoir de quoi on est constitué. Regardez les enfants comme ils sont passionnés quand on leur parle d'eux, de comment ils sont faits. Comment ça marche les poumons, comment ça marche le système digestif, tout ça. Et ben, on devrait tous avoir cette réaction-là. Et donc là, c'est de remettre les basiques et les fondamentaux. Donc le renouveau du système de santé passe aussi par la réappropriation de ce qu'on nous a fait croire qu'était nul. Vous vous intéressez pas à l'alimentation, ça ne donne pas la santé. Non, mais l'air, il n'est pas si pollué, puis la flotte, elle est potable. Tout va bien, en fait. Il y a une explosion de maladies chroniques, ça part en symptômes dans tous les sens, mais tout va bien. Il n'y a aucune cause, en fait, à ça. Si ce n'est qu'il y a des dangereux complotistes d'extrême droite qui vous disent que c'est mieux de manger bio. Parce que le vrai danger, c'est ça, en fait. On a compris. Et donc, la réappropriation du système de santé, quand Louis dit renouveau, c'est aussi récupérer, réadditionner. On se déplace beaucoup avec Louis, on fait beaucoup de rencontres. Et on voit un nombre de praticiens de santé allopathes incalculables qui se sont déjà formés à l'aromathérapie, au jeûne, à la sophrologie,
à l'hypnose ericksonienne, au massage, au toucher thérapeutique, à la chromothérapie, bref, tout un tas de choses. Donc en fait, ces gens-là sont déjà armés pour faire face à l'effondrement du système de santé, et il y a une envie qui est encore décuplée. Simplement de dire, eh bien, il faut qu'il y ait une intention aussi, une réponse, pas des pouvoirs publics, on s'en fout, mais de la population, à dire « j'ai envie d'être dans la prévention ». Parce que ce message-là de prévention que je fais comme une bouteille à la mer, au début je le faisais juste en audio sur YouTube, c'est ma chaîne YouTube, j'ai ouverte en 2013, j'ai fait 550 vidéos de causeries pédagogiques sur l'hygiénisme. Vraiment, je creusais là-dedans et comme un malade. Et donc je jette des bouteilles à la mer, et sans culpabiliser personne, et bien, dire « bon, il y a un échec de la prévention globale, on s'est chié dessus ». Et au final, qu'est-ce qui doit arriver quand on ne s'occupe pas de sa santé? On se retrouve face à l'anesthésiste pour dire bah « là, ouais, ça craint, il faut que tu te fasses opérer. » Ou face au réanimateur en disant « t'as un organe qui est complètement dysfonctionnel, il faut que j'artificialise son fonctionnement. » Et donc la métaphore qu'on pourrait faire, c'est de dire « il n'est pas normal que Louis apparaisse médiatiquement. Ce n'est pas sa fonction de quelqu'un qui doit être au niveau palliatif. Mais nous sommes dans une crise systémique qui vit son dernier râle, et en effet, c'est sa place de venir alerter en disant « ça craint, et là, je vous fais une perfusion d'informations ». Et le but après, c'est qu'il y a cet assemblage intelligent, une fois qu'on est toujours dans la crise, mais dans ce que j'appelle la crise molle, la crise pourrie, la rémission, sa métastase à bas bruit, quoi. Et donc là, on peut faire ce travail pédagogique de prévention, avant la prochaine tempête, de dire « il y a quelque chose à faire, il y a un mariage à opérer avec le meilleur de la médecine et le plus intelligent et le plus sage de la pratique complémentaire. » Et je ne vois aucune espèce d'autre issue, aucune, que cette solution-là. C'est pas de dire de vendre prêt à l'emploi, c'est juste la collégialité, la pensée complexe, l'humilité, l'absence d'orgueil pour dire « je sais tout, je comprends tout, je pourvois à tout », et la délégation de pouvoir. Et ça, c'est une voie sur un temps long, mais le chemin est déjà emprunté, il est déjà en partie connu, parce que rien n'a été à inventer. Par contre, ça demande à chacun un travail personnel d'abandon de ses croyances, d'abandon de son confort, d'abandon de ses repères aussi, et donc là, on revient dans quelque chose de très hermétique, où certains seront capables, et d'autres, ça sera plus lent. Mais en tout cas, le travail, il est à faire maintenant, parce que c'est avant de bien vivre, c'est presque de survie dont il s'agit. On est presque au bout de notre intervention, peut-être, ou pas loin. Et vous comprenez qu'on est dans ce grand écart entre un constat extrêmement sombre, extrêmement noir, sans phare, des faillites de notre système. Et ces faillites sont nombreuses et sont nécessaires. Probablement que on ne souhaiterait pas revenir dans les 30 glorieuses, dans les années 70, où tout avait l'air si facile, tout était si confortable, où chaque projet était financé, etc. Mais que l'époque qu'on vit maintenant est une vraie chance. Que la maladie toxémique, le moment où on expulse les boues, les scories, est un moment de résolution. Par contre, il va falloir réussir à passer à travers. Et il n'est pas dit que tout le monde puisse passer à travers. Au sens où l'énergie vitale de chacun n'est pas la même. La capacité de résilience face au choc qui est en train d'être subi n'est pas la même. Et quelque part, pour moi, c'est la source d'une immense patience, d'une immense tendresse pour les gens qui ont mordu au narratif Covid, qui mordent au narratif je sais pas quoi. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient, avec les ressources qu'ils avaient. Et même le collabo, même Julien Pain, a fait ce qu'il pouvait, avec les ressources qu'il avait. D'essayer de trouver un sens en mentant à l'intérieur de ça. Pas que tout vacille, pas que tout soit faux. Et au fond, c'est le chemin de la compassion. Je ne suis pas malade de ta maladie. Je ne suis pas en train de souffrir à ta place. Je t'accompagne dans ce chemin-là. Aujourd'hui, les épreuves qu'on va devoir subir, probablement, ne sont pas tellement pour nous. Elles sont pour ceux qui n'ont pas réussi à s'en remettre et qui vont soit en crever parce qu'ils en sont encore plus forts, soit en repris des forces en faisant semblant de ne pas entendre, de ne pas comprendre, et sont prêts à affronter le prochain délire, le prochain effondrement.
Donc, pour moi, le gros du travail, il est à essayer de redonner des forces aux gens autour de nous, parce qu'à partir du moment où vous leur redonnez des forces, peut-être que là, ils vont accepter de regarder certaines choses en face. Après quelques sorties en montagne, quelques sorties en mer, une sortie au bois, être allé voir les plantes, etc., avoir partagé de la joie avec vous, peut-être, enfin, vous allez pouvoir discuter de la question de la vaccination. Peut-être. C'est même pas sûr, et c'est même pas grave. À chaque fois que vous faites le diagnostic d'une maladie grave à quelqu'un, il doit s'accompagner d'une possibilité thérapeutique. Si vous annoncez un cancer multimétastatique à quelqu'un, il s'enfuit, vous ne le revoyez jamais. Vous devez lui annoncer un cancer et des pistes de sortie. Et le travail sur les pistes de sortie, il est y compris pour nous, parce qu'on pourrait rester fasciné par le monstre bloqué dans la ritualisation des ténèbres. Je regarderai tous les jours le World Economic Forum, Klaus Schwab, la prochaine de Bill Gates, la dernière de Ursula von der Leyen, etc. Et à la fin, je suis obligé de le regarder tous les jours parce que tant que je le regarde, c'est pas sur moi. Ouais, mais je résous rien. J'ai pas commencé à faire le plus petit pas pour essayer de vaincre le monstre. J'essaie juste de me débarrasser de ma peur d'y faire face. Et en essayant de m'en débarrasser, notamment dans Twitter et dans Facebook, en fait, je la démultiplie, je la transmets aux autres, parce que la peur est contagieuse. Et donc, un des enjeux pour moi, et ça paraîtra peut-être bisounours à plein de gens, hein, c'est pas d'aller vaincre un ennemi, c'est d'aller vaincre l'ennemi là, à l'intérieur. Tu peux pas vouloir la paix là-devant si tu l'as pas là-dedans. Et donc, ça commence par soi, ça commence ici. Et il s'agit de convaincre personne. Jamais personne, à la fin d'une discussion, m'a dit « Ah, Louis, grâce à toi, j'ai vu la lumière. Ouais, je t'ai écouté, là, j'ai vu la lumière. Tout s'éclaire. » Non, ça n'est pas arrivé et ça ne m'arrivera pas. Et tant mieux. C'est très bien. Chacun son chemin d'éveil. Donc, sur ce système de santé qui vacille, il y a des questions très pragmatiques, très immédiates qui sont posées. Comment vous faites si votre gamin se casse la figure pour pas qu'il aille aux urgences pendant 8 heures se faire suturer par un mauvais interne qui ne connaît rien? Vous savez suturer? Non, ça s'apprend. Il faut travailler. Ok, on y va. Comment je fais pour passer les infections hivernales respiratoires? On a un peu d'entraînement là, on commence à être costaud, non? Vitamine C, vitamine D, zinc, repos, vie sociale, joie, etc. Art, expression artistique de notre beauté intérieure, partage avec les autres. Ok, déjà là je suis armé, j'ai peut-être même pas besoin d'hydroxychloroquine, d'ivermectine ou d'azithromycine. Hein. Juste avec ça. Ça se travaille. De commencer au moment de l'automne, à la fin de l'été, à se mettre dans le rythme de l'automne, la baisse de la lumière. C'est fou, à chaque rentrée, on nous dit « Qu'est-ce que le projet ?» Attends, c'est le moment où il ne faudrait pas en avoir, là. Le moment où il faudrait se calmer. C'est septembre, moi je rentre en hibernation, là. Je n'ai pas de projet. T'as pas repris boulot ? Non. Non, m'en fous, en fait. Okay. C'est l'éloge de la lenteur. C'est qu'une grande partie de ce qui se passe quand tout accélère, qui nous permet de résister, c'est de ralentir. Une grande partie de ce qui se passe quand on a envie de coller un coup de poing à celui d'en face, de lui coller un uppercut tellement c'est un enfoiré, CF l'Elysée, c'est de se dire, je suis bien à l'aise sur mes pieds pour pouvoir lui allonger un uppercut? Parce qu'il y a des chances qu'en plus je rate ma cible et que je tombe, et que je me fasse mal. Si je me prends mon propre poing dans la figure, que je tape contre le mur, je vais me faire mal. Donc il faudrait que je sois déjà très très bien sur mes pieds, et que je sois très bien au clair sur qui est l'ennemi. Il y a des ennemis, il y a un combat. Il y a un combat. Il est clair, il est là. Hein. Tout ce qui est en train de se passer, c'est le frottement du véridique et du mensonger. Voilà. Et c'est un frottement dialectique. Et c'est le réel de ce qu'on vit. Hein. Il y a des gens avec des masques FFP2 en mars 2024, enfin en février 2024, à Paris. C'est réel, quoi. C'est là. Je peux juste pas le nier, je peux dire qu'ils sont fous, je peux dire ce que je veux. Ils sont là. Frottement du mensonger avec le véridique. Ton masque, ça sert à rien. C'est pas ça. Par contre, je peux te donner plein de pistes. Si t'as peur, c'est celle d'attraper un virus. Et donc là, il y a une récupération des savoirs, une pérennité à retrouver, un temps long. Dans cette slow médecine dont on peut parler, il y a plein de médecines ancestrales qui ont plein de choses à nous apprendre. Médecine chinoise traditionnelle, l'Ayurveda, d'autres, la phytothérapie, les plantes. J'ai discuté avec un guérisseur africain qui m'a raconté, tu sais, les plantes chez nous, c'est même pas un traitement, c'est la culture. Là, un grand-parent, il apprend telle racine, tu l'as fait comme ça, telle feuille et tout ça. Et donc, il y a un partage de cette culture à faire, et je crois qu'on est en train de le faire. Et c'est drôle, c'est ce qui se passe à tous les moments d'effondrement. Dans l'effondrement des civilisations, il y a des gens qui s'appellent Toynbee ou d'autres,
des historiens, des méta-historiens de l'histoire des civilisations, pas Yuval Harari. Hein. Ouais. Non, lui, c'est un faussaire. Lui vous emmène vers le transhumanisme. Et il est en BD partout maintenant pour vos enfants. Donc là, vous oubliez, pardon. Non, des vrais historiens qui disent qu'à la fin de la Rome antique, quand tout s'effondre, il y a des pivots de régénération de la civilisation qui apparaissent. Il y a à la fois une toxémie qui est là pour finir Rome. Ces tribus barbares sont là pour finir Rome. Mais ils vont coopérer avec Rome aussi. Rome va les intégrer, essayer de les manger pour opprimer les colonies. Mais Rome essaye de se tenir en violence. Tout devient archi-structuré, archi-marchand. Le cursus honorum est défini. Vous voulez être au pouvoir, ça se passe comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et c'est le règne de l'imposture maximale. Comme dans Astérix. La fin du consul, tout ça. Les gros boudinets fait des orgies à la graisse d'ours. Il y avait ces petits flacons de poison, vous savez, dans les bagues. Dans le verre des autres. Et puis, il y en a quelques-uns qui disent non, 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 on va faire autrement. Ils s'en vont, ils partent. Jean Cassien, à Marseille, Honorat de Lérins, Honorat d'Arles à Lérins, forme les ordres monastiques. Pourquoi je vous parle des ordres monastiques? C'est bizarre. On n'est pas religieux, là. Non, non, les ordres monastiques, qu'est-ce qu'ils font? Ils prient du matin au soir. Ils mettent un rituel rassurant dans lequel leur réalité est stabilisée et qui est en relation avec plus grand. Et ils pêchent la terre, font des choses pragmatiques, simples, faire à bouffer. Il faut faire à bouffer. Vous avez compris qu'on va vous faire bouffer du grillon ou pas? Il faut faire à bouffer. Vous êtes à Paris, vous n'êtes pas du tout résilient. Okay, et pourtant, Paris avait la meilleure ceinture maraîchère du monde. Elle pouvait nourrir tous les Parisiens grâce à une agriculture au 19e siècle qui était absolument incroyable, qui faisait de la permaculture avant l'heure. Et donc, il y a des choses très pragmatiques à faire. Et avec cette nourriture, qu'est-ce qu'ils font? Ils ouvrent leur table dans l'hospitalité. Incompréhensible pour un Romain. Tu ne fais pas payer? Mais non. Non, c'est 0 euros, tu viens, je t'offre à manger. Ah, tu fais pas payer? Je comprends pas. T'as pas de pouvoir? Non, non, non. Et petit à petit, non seulement ils font pas payer leur nourriture, mais ils font pas payer tout le travail de connaissances et de transmission de connaissances qu'ils font. Les moines sont des moines copistes, ils passent leur temps à copier. Et ils font des erreurs, hein, ils font des fautes de frappe, des erreurs d'interprétation, mais ils transmettent le savoir sumérien, assyrien, égyptien, arabe, etc. Je suis trop près. Et ils le donnent, les livres sont donnés et circulent partout. Et les ordres monastiques deviennent le premier réseau d'influence de tout le monde moyenâgeux, tout le monde médiéval. C'est incroyable. Et c'est eux le principal pouvoir ensuite. Et ils vont irriguer tout le Moyen-Âge de leur vision des choses. Et donc, je pense que nous sommes aujourd'hui une partie de ces ordres monastiques médiévaux, laïcs, pour un grand nombre d'entre eux aujourd'hui, qui sont en train de transmettre la connaissance. Et dans tous les collectifs où je passe, les gens font des balades botaniques où ils apprennent la phytothérapie ensemble. Ils apprennent l'Ayurveda, ils apprennent d'autres façons de soigner, ils apprennent à suturer, ils achètent des kits de suture sur Alibaba Express. Et vous pouvez en trouver pour 0,97 euros. Si vous en commandez 200, ça vaut 0,68. Et bref, ils savent faire, quoi. Petit à petit, ils s'autonomisent. Je me donne à moi-même ma propre loi. Je cesse d'être hétéronome. Et ça, c'est un chemin de créativité absolument incroyable à l'intérieur de la contrainte. Donc pour moi, cette époque est bénie. Elle nous donne l'occasion de révéler si, oui ou non, nous voulons vivre une vie héroïque ou être des moutons. Il y a un groupe d'agriculteurs, de paysans, qui a refusé de pucer ses brebis. C'est-à-dire qu'au moment où on leur a dit « vous devez pucer toutes vos brebis », ils ont créé un collectif qui s'appelle « faut pas pucer mémé dans les ordis ». Ils sont marrants, hein, les paysans. Et ils n'ont pas pucé leurs brebis. Et ils sont organisés pour réussir à ne pas avoir d'amende ou pour réussir à les payer, etc. Et ça, cette résistance paysanne, c'est à nous de la prendre là aujourd'hui, dans tous les secteurs où ça fait peur. Le soin, l'information, l'éducation, la santé, etc. Donc, au travail.